Vous ne comprenez pas tous les mots techniques et le vocabulaire bien spécifique employé dans Top Chef 2023? Pas de panique. Téléloisirs vous propose quelques clés et définitions pour mieux comprendre le jargon du concours culinaire de M6. Vous étiez passé à côté de Top Chef depuis 13 saisons et vous voilà, cette année, tombé dans la marmite de Stéphane Rothenberg. Il n'est pas facile de comprendre le langage culinaire, utilisé par les candidats comme par les jurés, dont les mots peuvent dérouter. Sans parler des ustensiles qui du cul de poule au chinois en passant par la marise ouvre un univers poétique étonnant aux jattes, passoires et spatules qui investissent les cuisines des non-initiés, bien d'autres termes sont propres à cet univers. En guise d'amuse-bouche, voici un petit glossaire composé des mots essentiels pour suivre plus sereinement une saison de Top Chef et croire quelques secondes être le roi ou la reine des fourneaux. Top Chef 2023, le petit lexique pour tout comprendre des termes techniques de l'émission dressée, rangée fouet, friandise et sifflet au placard, il s'agit seulement dans ce contexte de mettre sa préparation au garde à vous dans l'assiette. Le dressage est l'art de présenter son plat afin de le rendre compréhensible et appétissant aux yeux de celui qui s'apprête à le déguster. Débarrassé, loin d'être la corvée de fin de repas qu'on délègue avec délice aux enfants, débarrassé indique que le cuistot transvase une pâte, une sauce ou toute préparation dans un autre récipient afin de le faire refroidir, reposer ou pousser. Laisser pousser, pour d'évidentes raisons d'hygiène, il n'est pas question ici de barbe, de cheveux ou d'ongles. Ce terme est d'usage pour une pâte, à pain, à pizza, à brioche, qui, grâce à la levure, a besoin de temps pour gonfler avant d'être mise au four. Top Chef 2023, que veut dire marqueur en cuisine? Maître en cellule, la seule détention dont il est question dans le jeu est celle d'une chambre froide, une cellule de refroidissement ou de congélation, donc, destinée à accueillir une préparation dont le cuisinier souhaite faire baisser rapidement la température. Les marqueurs, oubliez les gros surligneurs scolaires aux couleurs fluo. En cuisine, le terme marqueur désigne ce qui détermine l'identité d'un plat, autrement dit les éléments indispensables, ingrédients, mode de cuisson, sauce, qui le rendront immédiatement reconnaissable au goût. À lire aussi, j'ai eu beaucoup de retours sur ce sujet, Dani, Top Chef 2023, évoque son rire particulier.